Et Super Yellow n'a pas hésité à monter sur le ring avec la numéro 1 mondiale. Carrément. Vas-y, Super Yellow. Super Yellow, Super Yellow, il va très vite à vélo. 8000 habitants ici à Tomblaine et l'une des plus grandes concentrations de champions. La preuve avec Anne-Sophie Matisse, 4 fois championne du monde de boxe. Tiens, si on faisait un petit détour par son entraînement pour une rencontre, ah, percutante. Anne-Sophie. Ah, Super Yellow. Et ben, t'as pas peur d'affronter la numéro 1 mondiale? Non. Non? Alors, on va se mettre sur le ring. Il y a beaucoup de sportifs ici. Hey, il y a beaucoup de sportifs. On est 8000 habitants, à peu près 2000 licenciés. On est une ville sportive, tout simplement. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. Et maintenant, je suis devenu numéro 1 à 35 ans. Anne-Sophie, il y a d'autres champions ici à Tomblaine? Ouais, il y a d'autres champions. D'ailleurs, tu vas nous y emmener grâce à ta magie, tu veux bien? Et on atterrit où, là? On a atterri à la base nautique de Tomblaine. On va rencontrer le double champion d'Europe qui a été vice-champion du monde de kayak. Et avec ses vrais biscottos, Romain Marco a vite fait de rattraper sur l'eau Super Yellow. Hey, salut! Ah, on l'a trouvé, ça y est! Salut Super Yellow! Alors qu'est-ce qui est sympa ici, Romain? Il y a un plan d'eau qui fait 7 km de long pour s'entraîner en marathon. C'est vraiment l'idéal. Regardez, il y a des jeunes qui pagaient autour de vous. Deux clubs avec plus de 500 adhérents et deux pôles France canoë kayak et aviron. On accueille les meilleurs sportifs du Grand Est. Et il y a d'autres sports ici à Tomblaine? J'espère que t'aimes le foot, Super Yellow. Ah, le foot, ouais! Oh, chouette, on est sur un stade. Eh oui, on est sur le stade Marcel Picot à Tomblaine. C'est là où joue l'AS Nancy-Lorraine? Bien sûr, et d'ailleurs, il y a notre mascotte Stani. Stani, bonjour! Ça fait 45 ans, depuis sa naissance, que l'ASNL joue ici à Tomblaine. Et pour la reprise du championnat le 11 août prochain, Nancy pourra peut-être compter sur deux nouvelles super recrues. Voilà! Et la question de notre championne du monde à présent. Alors, savez-vous en quelle année Michel Platini a joué pour la dernière fois sur le stade Marcel Picot? Question piège. Oui. On sait que Michel Platini a débuté à Nancy, hein, avant d'aller à Saint-Etienne, à la Juve, etc. Donc la dernière fois qu'il a joué ici à Nancy, et c'est un piège. Je dirais 1614. 1614, et Franck? 81. 81. Allez, on accepte les deux réponses. Il y en a une qui est bonne. On vérifie ça, ça sera gagné. Eh bien non, c'était pas en 79 lorsque Michel Platini a quitté la SNL. C'était l'année dernière, lors du jubilé de Olivier Rouillet. J'espère que vous n'êtes pas tombé dans le piège. C'est exactement ce que j'avais dit. Et Anne-Sophie Matisse est là, justement, la numéro 1 mondiale. Extraordinaire quand même.